tenter le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va commencer aujourd'hui par cette question de Baptiste. Écoutons-la. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors je vous appelle parce que j'ai des bourdonnements dans les oreilles depuis quelques semaines. Alors je pensais que ça allait passer avec le temps, mais non du tout. Ça persiste, ça siffle et c'est même voire insupportable et surtout la nuit. Pourtant, j'écoute pas la musique très forte. Alors comment que je peux faire pour que ça s'arrête? Voilà. Donc j'attends votre retour. Au revoir. Voilà, c'était c'est pour vous répondre avec précision. On a interrogé le docteur Patrick Folcon. Il est ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. On l'écoute. Alors Baptiste, il va falloir probablement aller consulter un spécialiste ORL pour faire le point sur ses acouphènes et savoir exactement quelle est la source exacte de ses problèmes acouphéniques, notamment rechercher un début de vieillissement des oreilles ou un problème de trompe de Stache. Les sifflements peuvent être liés à une fragilité de l'oreille interne qui peut commencer même jeune, même sans exposition sonore importante. Ça peut être lié aussi à d'éventuels problèmes d'hypertension artérielle qui peuvent donner des acouphènes, ou bien un problème de ventilation des oreilles. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment ne pas hésiter à aller consulter, faire une consultation spécialisée. Voilà, c'était le docteur Folcon au micro de Valentin Piovesan.